casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le live. Je suis Tancred ou Tancred ou Credzone, tout dépend de là où vous me connaissez. En compagnie de Luc, March, Moleko et Kebi. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous sommes de retour dans l'enfer de Six Days. Et oui, nous on n'est pas sur Helldriver ou Helldiver, pardon, excusez-moi. Mais sur Six Day, le retour, je n'ai pas fait de live les derniers jours parce que j'avais la flemme. Tout simplement. Voilà, je vais être franc, j'avais juste la flemme. Parce que j'aurais pu, hein, parce que Dieu, que les âmes savent à quel point on en a fait des heures sur Skull and Bone, mais bon, à la fin, c'est... C'était redondant, quoi. Lem, c'est pas un pote à modération? Je l'ai jamais vu ce nom-là. Skull and Bone, au bout d'un moment, ça tourne en rond, mine de rien, là. Défoncer du CKPV, c'est chiant. Et tel un bon American, je suis en train de bouffer des... Des ailes de poulet. Pilons de poulet. Chicken wing. Donc je viens de manger celui-là et on y va. Parce que bon, on ira quand on en a pas de ça. Voilà, fallait que je fasse ce petit ASMR. Et j'ai droit donc tout ça à bouffer. C'est de la prot. En tête ASMR. Et pour bonne conscience, j'ai de la salade aussi, si jamais. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Ah, et sinon, en fait, si peut-être je mets le son à balle. Allez-y, parlez pour voir. Pour voir. Ah ouais, bah là, je vous entends. Alors, je sais pas si dans le live, ça va changer quelque chose. Je pense pas normalement. Mais voilà. Faudrait que tu t'achètes des vrais écouteurs, des casques de combat. Ouais. Écouteurs de casque de combat ou plutôt des protections auditives? Non, un casque. Les réducteurs de son électronique. Ouais. Ouais. Comme ça. Ah, ils réduisent et ils amplifient. Il y a les mêmes à la place. Allez hop, on met les lunettes. Elles sont pas à portée, moi, les miennes. Le cas c'est à portée ou c'est affiché, mais... Bon, vous êtes prêts, les gars? S'il y aura pour CC, pareil pour partir en mission. Comment elle s'appelle, cette mission? Allez, Marty, donne-moi le nom de la mission. De l'opération. Opération Eagle Dawn. Ok, d'accord. Bizarrement, j'ai des relents de... Je sens qu'on va en chier. Ah, ça va, j'aurais pu l'appeler opération Black Hawk Dawn. Allez, j'avoue.
en tenue. Moleko, avec la gueule que t'as et les équipements, on a l'impression que t'es un insurgé qui a piqué du matos sur un cadavre. Voilà, c'est dit. Ah. J'avoue. Ah, bon, ben on va appeler Loki. Ah, il y a mieux là. Le secret d'entrer dans une baraque, c'est de dégager de la putain de porte. Ouais. Voilà. Juste un insurgé. Ça, c'est bien dit, Marty. Ou sinon, le bon vieux Pentecat. Et toi, avant, ça claire très bien les entrées, ça aussi. Oh, et puis ça rame tous ceux qui sont autour. Et pas. Ouais, ça mais... fait des... C'est avec toi qu'on avait joué, Kibi, à Réburnote et qu'on avait joué au mec avec la C2 sur la porte. Oui, on lui a. On a tourné. Bah, c'était pas là où justement quand vous aviez fait ça, on avait dû relancer la mission parce qu'il était sorti hors map. Non, c'était pas cette fois-là, t'étais pas là. Mmh. Et on l'entend en haut et on se dit on va lui faire exploser la porte de la gueule, tu vois, ça va régler le problème. On le fait exploser et Il n'y a plus que le flingue. Le corps a été vaporisé. En fait, le mec, il était bien mort, c'est juste qu'on peut pas le... Il était bien mort, il était même un peu trop mort. Ouais, ce qui était problématique alors pour le signaler. Bon, le chargement a l'air de prendre son temps, donc je reviens. Non, il prend pas son temps. Il a fini. Une d'huître. Pardon. C'était spasmodique. Pourquoi il y a le cercle? Ouais, pourquoi il serait pas carré? T'as raison, Marty, te laisse pas avoir comme ça. La légende raconte. Bon, eh ben, je dois leur filer un pull, moi. Je vais me prendre un petit dessert. Ah, je reviens. D'accord. Ok. Forcément, fallait que ce soit cette mission. Normal, les gars. Alors, point sur la situation, les gars. Où on en est? Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Fais-moi rêver. Prendre d'assaut le camp d'Al-Qaïda qui est juste en face. Ok, bon, bah on va faire le tour. On passe par Par l'ouest. Par l'est, pardon. Excusez-moi.
Wow. Il est où le lourd? Fais-moi le lourd. Eh les gars, sur moi, on avance. Restez près du VAB. Vous êtes passé où les gars? Pas extraité. Je passe. J'ouvre la porte. Je suis derrière toi, Moleko. Derrière toi, Cri. Je rentre dans la pièce. Je suis là. Ok, pas extraité. Il y en a d'autres. Les calmer. Heureux. Heureux. Il y a un deuxième étage. Moi aussi, je maîtrise la force et le seul pouvoir que j'ai, c'est celui de Qui-Gon quand il veut la charge. Ah. Prêté. C'est bon, ça va marcher. Quoi déjà pour vivre? Ouais, ça va. C'est quoi déjà pour vérifier ces munitions? C'est R? R, ouais. Non, reste appuyé, ça recharge. Ouais, non, c'est faut que t'appuies une fois. Là. Qu'est-ce qui se passe? Y'a du monde dans le coin? Ok, on va vérifier le bâtiment qui est à côté. Oh, ça cale. En face, oui, en face. À côté, putain, dans le jean. Rentre par dans la maison, par le bas. Ok. On n'a pas d'accès depuis le haut. Le bâtiment qu'on doit aller, c'est le bâtiment en face. Hein.
le drapeau de l'accueil là. Ouais. Bonjour Marty. Hop là, voilà. Ah, regarde, il se calme. C'est ok, on entre dans le bâtiment. Vas-y. C'est réglé. On progresse. On sort du bâtiment. Ah, il y a une caserne. Je désamorce la caserne. Ok, on est hors du bâtiment. Je vais amener le VAB par là. Oh oh. Je recharge. Ok. On va amener le VAB. Ouais, il est déjà modifié. Ils ont plusieurs apparences désormais. Bah ils avaient déjà plusieurs apparences, mais oui non, ils l'ont donné un peu plus maintenant. Ah ils ont investi dans 2-3 vêtements quand même. Ils ont piqué le magasin de vêtements. Ouais. Si tu regardes, ils ont que du Adidas. Putain, on est sur des racailles. C'est de la racaille. Là. Raté. Ouais, putain, c'est... Oh, oh. Touché. Ok, ça va. Tout doux. Stop. Ok, je monte. Derrière. Tu caisses là-bas. Et on reste de mon côté. Je suis sur le toit. Tout va bien. Okay. On n'est pas au bon bâtiment ? On peut passer par là. Bon bah allez hein. Hop. Oh. En face. En bas. Oh. Watch. Ça va. Je suis touché mais ça va. Je saigne. Je me soigne. Ready to roll. Ok, je suis ready. I'm moving. Ça va? Traité. Ça va? Ça va les gars? Effie.
Max Rété. Porte sur droite. Ouf. Ready when you are. Oui, mais... C'est correct, Rocco ? Ouais, c'est bon, ça. Tu veux traiter, celui qui... Appuyez. Sur la gauche, porte ouverte, il y a la hors du monde. Bon. Je vais quand même enlever le casque, hein, parce que bon, ça suffit les conneries, mais en fait, j'entends plus rien. Profiter des KIA. Il y a du tir allié là. Merci. Prendre sous le camp d'accueil. Ouais, il faut sécuriser en fait tout le bâtiment, tous les bâtiments. L'avantage c'est que je peux bouffer en même temps. On a encore des passes, on les entend. Laisse clear. Est-ce qu'on va chercher le... des renforts ? Non, il n'y a pas besoin d'aller chercher un renfort tout de suite. On me dit qu'on est 2-3, si on vient les récupérer, si on les récupère maintenant, on n'aura pas encore. Est-ce qu'on peut enlever le drapeau sur ce petit mot ? Bâtiment, toit jaune. Fais attention, tu passes devant moi. Le mec là, on voit plein. Oh.
On peut pas être deux en fait. Faut toujours récupérer quand. Faut toujours être au moins 3 parce que quand tu travailles seul, tu peux pas retourner au. Au VAB. Au VAB sans te faire buter en fait. Ça te prend quelqu'un pour couvrir tes arrières. Au moment où on faisait tomber le drapeau, t'avais genre 6 mecs avec des RPG qui arrivaient d'un côté en même temps, bah les mecs qui sont arrivés je ne sais où qui m'ont tiré. Bah en fait, c'est les renforts qui arrivent dès que t'enlèves le drapeau. Ouais, mais je pensais pas qu'il y en avait autant que ça, tu vois. Ouais, on l'en fait. Deux secondes plus tard, t'en as. Il a dû y avoir 25 gars qui sont arrivés, quoi. Ah, si seulement j'avais des clés morts. Moi, tu me donnes 2-3 clés morts. Le mec, il passe plus, hein. Donc là, Moléco, toi, t'es éclaireur ou t'es pompe? Ok. Ah tiens, le truc a été détruit cette fois-ci. Ok. Allez, on y va. On a envie de se mettre à couvert. Je l'ai pas vu. Ouais, si tu me pointes l'arbre aussi. Ah donc l'autre il va par le par ce côté. Ok bon bah on va par là où va le VAB. Let's go les gars. J'arrive pas à voir où il est le snipe. Continue d'avancer, doucement. Bien pris, bien joué. Beau travail, ouais, peut-être. Je m'appelle. J'ai plus son nom, merde. Ok, bah j'ai plus son nom, merde. Viens vers nous. Bizarre comme surnom, mais. Wow! Dans le bâtiment. Doit être par là. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. On tue. Pax. Ok, traité. Je vais sur la droite. Ok, cul-de-sac. Clear, RS. Grande pièce. Dans la grande pièce,
Corridor, plusieurs ouvertures. Ok, je passe. Je suis. J'entre. Arès, clear. Porte fermée. Ouverture sur la droite. Escalier. Je monte. Je suis au deuxième étage. J'entre dans le bâtiment, dans la pièce. Pièce clear. Non clear. Cache d'armes désarmées. Je suis sur le salon. Ok. Putain, on a eu du bol, hein. Je monte. Ouais, ouais, je sais, mais en fait, il y a deux endroits. Ok, clear en haut. Wow. Cessez le feu, cessez le feu. Je vois plus de mouvement dans la zone. Oh oh. Impact touché mais non traité. Ok, on bouge. On redescend. Putain, on y voit que dalle. Tout le monde est là. Vérifiez vos munitions. Oh, oh, ça tire. Bon, j'ai vu personne. En face, en face. Et on avance. Ah, Pax, en face. Sérieux, pourquoi j'ai tiré par terre? Bon, on continue. Marty, ouvre-moi cette porte. En face. Traité. Ok, j'avance. Putain, je recharge. Dégagez la porte, dégagez la porte. It's a go.
Confirmé. Allez, on monte. Très à découvert sur le tour. Affirmatif. Retour. On reste pas là-dessus. Là, c'est pour que si c'est pour se faire tirer au pigeon par un sniper, ça sert à rien. Je recharge. Sérieux. Traité. C'est bon, c'est le feu, j'ai traité. Je recharge. Idem. On avance. J'entre. Cache d'armes. Deux caches d'armes sur ma position. Elles sont clean. J'entre dans la deuxième pièce. Cache d'armes. Clear. C'est moi, je suis là, en face. Il manque pas un mur. Non, c'est une, c'est censé être un truc de magasin, je pense. Bon, on reste pas à côté de ça, par contre. Ok, je traverse. Il y a du monde. Impact traité. J'entre. Couloir, droite, gauche. Porte droite. Marchi, tu vérifies le couloir. J'entre dans la pièce. Moleko, tu surveilles derrière. Ouverture. Ok, ça va dehors. Ma zone est claire. Escalier. Vas-y, je surveille l'escalier. Escalier. Je monte. Moleko avec nous. Moleko, suis. Ok. Claire. Ouverture droite. Claire. Cache d'armes. Ok, désarmé. J'ouvre l'accès. Ouvert. Claire. Ok, RS. On dégage. C'est pas avec des pistolets hein, qui nous attendent en plus, ces connards. Attention.
Porte gauche. Yeah, merci pour le follow. Un productive app. Et bienvenue sur le live. Vérifie la porte sur la gauche. Ok, j'avance. Putain, mais... Non traité, je répète, non traité. Intérieur. Oh putain. Recharge. C'est bon. Ok, bien joué. On vient dans ton bâtiment, on vient dans ton bâtiment. On prend à gauche. Les yeux droits avec l'escalier. Tu prends à gauche. Ok, c'est clear. C'est clear. Clear. Bon, j'en mets l'écho. Escalier. Escalier. Vas-y. Rien, escalier clear. Allez-y. On avance, on avance, on avance. Escalier. Regarde ça, viens. Je peux pas rentrer plus où je suis. Ah si, d'accord, je peux traverser l'escalier. Je vais à l'escalier. Il y a un toit, arrête. D'ailleurs. J'arrive sur le toit. Bon, on va essayer de tenir ici. Marchi, tu surveilleras l'entrée qu'elle a. Et reste accroupi. Qui est juste ici. Merci. Moleko, tu vas te mettre là. Comme ça, tu surveilles ceux qui arriveront ici. Mets-toi pas non plus trop proche du bord pour pas qu'on te, qu'on te chope. Ok, je l'enlève. Ça nous arrive dessus. Et il a l'air d'avoir du boulot, le VAB. Non, passe pas ta tête, passe pas ta tête. Voilà, pourquoi. Là, en face. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, je vais m'approcher. Ouais, il y est. Il est vu. Je m'avance. Ouais, il est traité, c'est bon. Va pas trop loin, Moleko. Non mais sérieux. Quoi, ça t'a pas eu?
fous de ma gueule. Vérifiez mes munitions. Quoi? Pas extraité. Wow! Ok, pack straighté. Bon, faut qu'on sécurise le bâtiment, les gars. On y va. Vérifiez les munitions. Ok, je recharge. Ça va, ça va. Mais il est où celui qui m'a touché par contre? Putain, mais je vois pas où il est. Ok, je saigne. Je vois pas où il est le mec. Bon. On change, reste pas là, reste pas là. Non, je peux pas le choper ici. Imo, je suis immobilisé. Recule, recule, recule. Je soigne, bouge pas, bouge pas. Stay with me, brother. I'm patching you up. Faut qu'on descende, hein. Se battre depuis là, c'est pas notre endroit. Yep. Hein. Allez. C'est ici. Chauve. J'aime pas ce bruit. Moi non plus. Ça sonnait va détruit, tu vois. En face. Oh. Ah, merde. Statue. Statue. Le pauvre Marty. Et là, pourtant, on l'avait sécurisé le bâtiment. Enfin, il n'y a personne à l'intérieur. En fait, c'est les buildings. En gros, c'est tout le complexe. Donc, c'est genre les 4 bâtiments. Ah ouais, oh putain. Ouais, c'est.
Même s'ils mettaient building au singulier, mais c'était les 4. Faut qu'ils fassent gaffe. En fait, je pense que c'est le truc, c'est que. Et enfin, vraiment, en termes gameplay, c'est qu'en gros, pendant un moment, t'as plein de mobs, enfin, t'as plein de packs qui arrivent. Vous êtes un certain temps, après ce certain temps, et bah, tous ceux qui sont dans la zone, genre qui sont dans les bâtiments, en fait, tu dois éliminer. T'en as tous ceux à l'extérieur, soit avec des pops. Ceux qui sont là pendant un certain temps. Ah. En fait, c'est pendant 2 minutes, t'en as plus aucun. Au bout des 2 minutes, je sais pas combien de temps, mais t'en as plus aucun qui spawn, mais faut tuer tous ceux qui sont sur toi, je crois. Y en a. Oh putain. Oh dommage. J'ai cherché le putain de vague à la con et je l'ai pas trouvé. Ouais, il était de l'autre côté. Il était de l'autre côté, mon ami. Ah. Bon, c'est pas notre joueur, c'est pas notre soirée, hein. On en essaye une autre? Hein? Ah voilà. Non, c'est pas la meilleure soirée. Mais ça, c'est parce qu'on est trois, on serait quatre. Ce serait exactement pareil. On se ferait ouvrir en deux pareil. Ouais, je pense que bah déjà là on communique vraiment beaucoup plus sur ce qu'on va faire. Dire toi porte droite, porte gauche, couloir, etc. C'est pas mal. En fait juste prévenir les ouvertures, tu vois. Ouais. C'est tout con, hein. Le fait de dire ouverture à droite. Mmh. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Chaud pour une dernière? Allez, une dernière. Option. Pour la peine, on va se la faire en fubar. Mais avec moins de structure. Plus accessible, ça va être plus fortifié, non moins fortifié, allez, et clairsemé. Par contre, on va se mettre en fusée éclairante, et la mission, non pas en aléatoire, la mission, mais quoi? Bon, face à une Henri, ça serait. C'est pas. C'est pas intéressant. Part d'attraction, objectif Virginia, Manoir West. Manoir West Non, c'est celui qu'on a fait, ça, je crois. Bah, non, bah, ouais, c'est pas celui qu'on a fait. Le sujet Manoir West, c'est fait genre. Faut sécuriser le souterrain, etc. Mais, non, pas objectif Virginia, non, le tank, pas trop intéressant. Parce que là, on l'a trop tenté. C'est ouais. Là on vient de le faire, Jolan. Norzen. Train Station. Hmm? Nord Train Station. La gare du Nord? Ouais. Oui, gare du Nord. Ok, on part là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui veut changer de rôle ou on reste comme ça? Non, ça va bien. Ouais. Marchi, il aime bien arroser. De quoi tu parles? Après, je peux tenter en pont, du coup. C'est toi qui me dis. Moi, je veux bien en bridge.
C'est assist. Non, c'est tireur. Bah la flèche, alors la flèche c'est... Non, la tireur c'est ça, là. Ça c'est ce qu'a marché. La flèche. Ah, donc c'est celui-là. Ça, je te regarde, Toi t'es tireur. Allez, let's go. Non mais ça va être l'enfer pour Marchi là par contre. Est-ce que celle-ci on va y arriver? Ok, ça commence déjà à nous accueillir, les gars. En face! Traité! Bon, on va passer par là où. En face! En face! En face! Oh purée! On va passer par là où Valvab. Ok, je me tiens prêt. Là-bas, c'est certainement Vibeub. Bien joué. Ok, je vais essayer. Oh, en face. Oh, je suis blessé, immobilisé. Je vais pas tenir. Putain, il fait rien le Vibed. Le Vab.
Et bienvenue au paradis, les gars. Allez, on investit ce bâtiment. J'ouvre la porte. Forcément. Ok, pack traité. Pack traité. Ok, je vais bien. J'entre. Je suis dans le bâtiment. Je suis touché. Je me soigne. J'ai besoin de renfort à l'intérieur. Renfort à l'intérieur. Ok, bâtiment clear. On peut le faire sauter. Vas-y. Ah, j'ai cru que j'y passais. Oh putain, je suis immobilisé. Ah, je suis foutu. Oh purée, Marty il est tout seul. On va attendre le fer. J'ai eu deux tirs mais... Mec, à un moment dans... à un moment c'était magique ce qui s'est passé. J'avais plus de munitions. Il y avait un insurgé devant moi. J'ai eu le temps de recharger parce qu'il a fait demi-tour. Il a commencé à rentrer dans le bâtiment, je l'ai fumé. Mais improbable la situation, quoi. T'es sorti, t'es vraiment en plein milieu de...
Bah là, moi je suis sorti par la sortie la plus proche qu'il y avait de moi quoi. Et je me suis retrouvé face à trois ans. Non. Ouais. Bon, pas à. Pas, si, face à un insurgé, le bonhomme là qui était un peu en mode YOLO. Sa lampe là. Mec, y'a plein de mecs devant lui. Mais dehors, mais quoi? Non mais. Oh putain, mais wow. Non mais c'est quoi cette chatte? Eh mec, t'as réussi mais à rien. Ah, j'ai vu le mec débarquer devant moi et j'étais là et j'ai cliqué sur le bouton au moment où j'ai cliqué, j'ai entendu du mal servi, j'ai entendu pa. Là, en gros, tu sais, dans la cinématique de fin, ton mec il s'est fait buter, hein. Obligé. Avec la lampe que t'avais tout le long, genre. Bon, logiquement, il aurait dû te voir, tu vois. C'est, ouais. Tu étais là, quoi, mais. Bon, bah, ce fut bonne partie. Ah bon, on finit avec une gagne, donc c'est bien. Alors qu'on a mis en fubar complet. Bah, on a mis en fubar, mais après, tout le reste, c'était en bas, quoi. En gros, on avait une belle, enfin, on avait une belle visibilité, mais les autres avaient aussi une belle visibilité sur nous, quoi. Ouais. Mais par contre, j'aime beaucoup le fait de pouvoir tirer à la hanche, quoi. Ouais. Ouais. Bon, alors, hop. Toc. Non. Là, c'est mieux si je fais ça d'abord, quand même. Donc, merci d'avoir regardé. Merci à une productivep, excuse-moi pour le nom si je le prononce mal, d'avoir follow la chaîne. Merci d'avoir regardé, tous ceux qui ont regardé. Et on se retrouve peut-être mercredi, sinon très certainement vendredi pour un prochain live. C'était Tancred ou Critzone en compagnie de Marchi et Moleko. Bye bye, Harvey. Bye. Harvey, les amis. Attends, avant de couper le live. Ah non, ça l'a pas fait. Merde, ah oui. Je voulais faire. Ah oui, ça marche. Attends, bouge pas. Ah, yeah. 31ème mois. Parfait. Ouais. Super. Nice. Eh ben, merci beaucoup. 31ème voilà, mois, voilà. Ça c'est cool. 31 mois, bordel. Mec, c'est plus de 2 ans, hein. Ouais. Ça me touche beaucoup, Marty. Sache-le.